Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit jeu gratuit sur téléphone pour changer. Pourquoi je prends cette intonation de voix? Il est gratuit sur Steam, sur Play Store. Et le nom du jeu est celui qui s'affiche actuellement à l'écran, c'est The Magical Typewriter. C'est un petit jeu donc dans l'univers de dans l'univers d'Harry Potter. Et donc moi étant très fan de Harry Potter, je pense que ça va pouvoir plaire à certains d'entre vous et ne pas plaire à certains d'autres. Voilà. Donc du coup voilà, le jeu est en train de se lancer. Moi je vous dis à tout de suite. Ok, alors là le jeu vient de se lancer. Je n'ai donc le jeu est en anglais hein, de base. Faut pas trop rêver pour un. Pour un petit jeu gratuit Play Store en gratuit. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Right with the Magical Typewriter. Ah ben, en même temps, c'est le jeu, donc je pense que ça doit être que ça. Alors, site Typewriter, welcome. D'accord. Il faut écrire du coup, welcome. Ah non, d'accord. D'accord, j'ai compris. Alors, il va quand même pas m'apprendre à y taper, non? Ah mais d'accord, en fait c'est YOLO le jeu. Le clavier est totalement. C'est de chercher les lettres. Hop, voilà. Alors, enter your name. Bah du coup on va mettre Neo. Ah d'ailleurs je découvre en même temps que vous, je savais pas que c'était un jeu multijoueur. Ah non, other player is still name. Ah non, c'est juste dans les trucs comme ça. Alors, no quotes. Je sais pas ce que ça veut dire quotes. C'est peut-être le pluriel de cats. Alors, welcome to be or not to be, d'Aziz de question. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut écrire quelque chose d'autre. Ah, voilà. On revient là. Alors, oui, il va falloir prendre des... Ah, oui, par contre, d'accord. Oui, il faut payer là ou ça sert quoi? D'accord. Prendre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser de magique avec la projecteur? On va aller explorer un petit peu ce qu'il y a dans la pièce. Ah, on peut jouer du piano. C'est que c'est cool. Bon, on va pas s'adonner à cette activité un petit peu puérile. C'est rigolo. Floating Magic Wand. Alors. Ah, d'accord, j'ai 0 points. Regardez une vidéo 400 coins. Nique ta mère, non? POUM POUM POUM. Quoi ça, c'est le seul moyen de... On peut pas rentrer dans l'histoire ou... Enfin, je sais pas, mode histoire, y'a pas de mode histoire. Harmony. Alors, on va essayer... English. Alors pour l'instant je comprends pas très bien. C'est un petit peu bizarre. Ah free coins. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le martel next, ça n'ignore rien qui se passe. Exit. Ouais, c'est trop. Alors, nous sommes donc revenus à notre point de départ. Ah, c'est peut-être là, non? Open door. Peut-être est-ce. Ah, voilà, une autre pièce. Donc ça, c'est la chambre à coucher. On peut grimper. Non, on peut rien grimper du tout. Par contre, l'ambiance là, avec les
Putain, il a pris un coup de vieux Dumbledore. Hein. Non. Et sinon, qu'est-ce que je fais? À part les livres qui s'ouvrent tout seul. Ah, est-ce que ce serait pas. Ah non, c'est le chat. C'est peut-être le chat d'Hermione. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut se coucher? Pas du tout. Alors, pour. Je tiens à préciser qu'il n'y avait aucune scène d'intro, donc tout ce qui est. On est complètement lâché dans le jeu directement, donc c'est. Je sais pas, vous avez fumé quoi quand vous avez. Les développeurs, ouais, on va lâcher le joueur, c'est très bien ça. Alors, the potion de la forme du chat. Il faut ajouter une potion bleue au chaudron. High temperature. Steal fast, come back, drink is ready. D'accord. Ah d'accord. Ah d'accord, c'est un genre de jeu à objectif. Ok, 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 je vois. Alors, il faudra un chaudron. Il faudrait un chaudron. Qu'est-ce qu'il y a ça? Inventaire. Ah, j'ai des ingrédients de potion. Non? Non. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire là? Ok, c'est un genre de chat. D'accord! Alors. Ah voilà. Donc nous sommes revenus dans la chambre à coucher. Est-ce qu'il n'y aurait pas une mission? Par contre, le chat. Mais c'est pas un chat ça, c'est une. Et pourquoi il me parle de chat alors? Bon, on va essayer de retourner là-bas. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un chaudron ici? Nous cherchons un chaudron. Ah, objectif. Find and read the guest book. Need to prepare the potion of cats. Ah non, c'est en forme du chat, pardon. Il faut. Ah, il faut trouver. D'abord. Alors, il va falloir trouver le livre des quêtes. Et il faut trouver un chaudron. Ah bah tiens, il y a une porte ici. Alors, pour l'instant, bah, au niveau graphisme, j'aime bien. Hein, les graphismes, pas mal. Bah, tiens, t'as encore... Edwige, c'est ça, hein, je pense que c'est elle. Hein. Edwige. Edwige, je sais plus comment dire. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, une potion bleue. Voilà. Nous avons trouvé la potion bleue. Maintenant, il nous faut un chaudron. Ah, la carte du château. Mais 4000 coins, quoi. Non, mais je sais pas, quoi. Putain. Bon. Ah, voilà. Bouger d'ici, les livres. Est-ce qu'on peut mourir à cause des livres? C'est une bonne question. Peut-être qu'on pourra faire un truc, genre où on recherche des bugs. À vous de me dire dans les commentaires. Donc là, en fait, cette vidéo, c'est un petit peu une vidéo donc pour vous demander votre avis. Vous demander des avis sur si vous voulez que je continue sur ce jeu, que j'en fasse un vrai let's play, ou donc une vraie série. Après, du coup, moi, ça me dérange pas de faire un let's play sur ce jeu. Donc, à la fin du let's play, donc avoir fait tous les objectifs et donc fait tous les sorts. Et donc avoir eu tous les sorts, donc pour moi c'est terminé le jeu. Je sais pas combien de temps ça prend, je pense une peu 2h, 3h à mon avis de jeu pour le terminer. Étant donné que c'est un jeu Play Store comme ça, à mon avis il doit pas être extrêmement long. Ah voilà. Nos objectifs, lire un livre. Et bah dis donc, ça a changé la maternelle. Donc, ah, encore une potion bleue. Donc, je pense pas que je vais mettre une petite musique de fond parce que, honnêtement, les musiques du jeu, c'est juste, il y en a pas, il y a des bruits de pas. Donc, autant mettre une petite musique d'ambiance, écoutez, pour se mettre bien, pour
Voilà. Alors, read a book. Open your book panel and read a book. Ok, donc on fait ça. Et hop, voilà. Ah d'accord, on peut carrément. Et genre c'est là là c'est le vrai. C'est vrai? C'est bien, non? Quoi, je vais m'inspirer? Je suis en train de faire un travail, je vais essayer de voir ainsi. Il faut que tu m'aimes. Il m'a pris le temps pour faire juste un livre, comme ça prend beaucoup de temps pour écrire un livre. Pourquoi c'est pas des livres? Qu'on peut lire? Enfin, je sais, enfin, le but, dans leur but, c'est quoi? Ok, du coup, on a fini la quête du livre. Donc, je sais pas comment appeler ça. On a fini cette quête, en tout cas. Hop, oula, ah oui, ça va, c'est l'escalier. Donc, voilà. Maintenant, on entre en alors, là, j'arrive plus à parler, alors là, on est encore à la recherche du chaudron, donc de la quête. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi là déjà? Ah oui, le guest. Ah oui, c'était pas le livre des quêtes, hein. C'était le livre des. Comment on dit ça? Le truc des invités. Enfin, c'est. Voilà, le livre des. Oh, un chat. C'est Dumbledore. Ça fait un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il court? Ça fait un petit peu jeu d'horreur quand même, hein. Sans musique, juste le bruit des pas. Oh là là! Bon, you know, need somewhere to mail the rest and unblock the pass. J'ai pas très bien compris. Alors, en plus, c'est cool parce que ça me fait laguer ce truc. Parce que je joue sur téléphone, hein, je joue pas sur tablette. Parce que j'avais pas d'argent. on n'est pas là pour parler de ça. Hein. Écoutez, il n'y a pas. Attends, the path to outside, donc le chemin de dehors, il est bloqué par de la glace. To melt, c'est faire fondre, hein. And unblock the pass. Il faudrait du feu. On peut pas prendre ça? Non, je viens de sauter dans le feu. Tout va très bien. Non. Ah, peut-être ici. Ah, j'ai vu une interaction, j'ai pas eu le temps de lire. Open door. Ah oui, il y a une partie ici. Mais il y a des portes partout dans ce jeu, hein, ça. Ils avaient quoi? C'était un fait. Qu'est-ce qu'ils avaient? C'était un fanatique des portes ou quoi? Il y a des portes partout! Watch video to open the lock. C'est une blague. C'est une blague? Donc, après une vidéo forte intéressante, hein, d'un placement de produit incroyable, nous avons ouvert la porte. Que va-t-il se trouver derrière la porte? Je ne sais pas. Alors attention, qu'est-ce que. Ouh putain, ça fait. Ah d'accord, c'est la pièce centrale. Par contre, je sais pas pourquoi il y a quelque chose ici qui me fait là, un petit peu, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On peut s'asseoir. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a du feu? Il était pas là, hein? Comment il est paru? Je sais pas. Bon, alors là, on a tous les objectifs qui viennent les uns après les autres. Donc à mon avis, genre, ça va être un château en entier, et puis les objectifs vont se succéder. C'est ce que je pense, hein. J'ai pas encore, comme je vous le dis, hein, c'est la première fois, donc je teste le jeu avec vous. Et donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Oh, attention, une ambiance assez bleutée. Oh, une fiole. Surprise. Une potion orange, ouais. Et entre nous, le jeu est beau, hein. Pour un jeu indé Play Store, le jeu est beau. Hein. Alors là, on peut pas lui.
peut pas lui retirer ça. Oh, que va-t-on trouver derrière cette porte? C'est la question que tout le monde se pose. Et wow! Oh, la forge. Ah bah, il y a bien avoir un chaudron là-dedans, non? Un chaudron. Mais attends, c'est la forge, il n'y a pas de chaudron. C'est pas un chaudron, ça? Un chaudron! Je veux mon chaudron! Pourquoi il y a des livres qui volent? Ah, Frankenstein. Écoute, je m'en fous, Frankenstein, moi je veux juste un chaudron. Chaudron! On peut pas souffler là? Non. Le chaudron. Et pourquoi toujours cette putain de chouette qui me suit tout le temps là? Où est-ce que tu vas? Bon. Est-ce qu'on peut mourir? Non. Alors attention, on va faire une petite. Ah d'accord, il y a pas mal d'objectifs. Alors. Donc voilà, je pense qu'on va finir la vidéo là, donc c'est déjà pas mal pour une petite vidéo découverte, on a déjà exploré pas mal de pièces. Donc là je suis devant la liste des quêtes, donc pour la prochaine vidéo je vous mettez dans les commentaires quelle quête vous voulez que je fasse, ou que je fasse pas, ou que si vous voulez que je fasse, donnez votre avis dans qu'est-ce que vous voudriez voir comme quête. Donc je résume, donc on a trouvé le livre invité. On a trouvé le bugué un petit peu. Alors faut résolver le puzzle du mur de glace. Il faut résolver du puzzle des escaliers de feu. Et il faut préparer la potion de la forme du chat. Donc voilà, vous me dites ce que vous voulez dans les commentaires. Donc pour moi. Oula, taper dans le micro. Donc vous mettez ce que vous voulez dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. À recommander cette chaîne auprès de vos amis, de votre famille. Et moi je vous dis, c'était Néo, ciao.